On est à Genève dans la Miarox. Ouais. Comment tu présenterais la Miarox à quelqu'un qui découvrirait cette voiture? C'est une nouvelle façon d'un véhicule électrique, minimaliste, accessible à tout le monde. Mais en même temps, c'est un véhicule sur mesure. On peut faire ça individuellement comme on voudrait être. La grande nouveauté, c'est que c'est une version découvrable avec une, ce qu'on appelle un soft top en anglais. Hein. C'est ça le concept, c'est du sur-mesure en fonction de ses goûts. Parce que de toute façon, c'était un sujet de la base de l'automobile, de l'individualisme. Et avec la Miarox, c'est possible d'habiller le véhicule comme on voudrait. Chacun peut faire ses images, son image avec cette voiture. En plus, dans le fonctionnement, ça fait la Mia très léger. On peut faire une petite batterie ou beaucoup de performances. C'est très important de dire ce véhicule. Pour nous, ce n'est pas un concept car. C'est un rêve sur la Mia. Et ça veut dire que tous les points qui sont nécessaires de produire ce véhicule pour avoir l'homologation, ils ont là. Donc le reste, c'est que la décoration. Et pour cette raison, c'est possible à faire. Tout est fait pour la légèreté de ce véhicule. Bien sûr, il y a des matériaux bien faits, le cuir, bien des détails. Mais tout est fait pour faire le poids plus léger, pour avoir une sensation de conduite sportive. Et alors, quand est-ce que vous allez décider de la produire ou pas? Comment ça va se passer? Ça dépend dans les désirs de gens qui sont ici à Genève. Tout est là. Et c'est vraiment plutôt un cas de décision stratégique de notre entreprise et bien sûr de cause de réaction de gens. Mais en ce moment, c'est très positif. Alors on croise les doigts et on dit bonne chance à la Miarox. Merci beaucoup.